Deux ans après son départ d'Ici Tout Commence, où il interprétait Maxime Delcourt, le comédien a dévoilé s'il allait revenir dans la série de TF1. Sa réponse risque de décevoir les fans. Après avoir quitté Demain nous appartient et Ici Tout Commence et passé 6 mois en Asie avant de rejoindre un club de basket du nord de la France, Clément Rémien fait enfin son retour médiatique. Et il le fait pour la première fois sur grand écran en incarnant le personnage du glaçon dans le film Blue et Compagnie réalisé par John Krasinski aux côtés de José Garcia, Marina Foïs et Mylène Farmer. À cette occasion, le comédien est interrogé par nos confrères de Téléstar. Il est notamment revenu sur sa décision de quitter Ici Tout Commence en plein succès. Ici Tout Commence, Clément Rémien dévoile les raisons de son départ. Je travaillais non-stop, parfois jusqu'à 12 heures par jour, mais je vous rassure, je ne ressentais aucune lassitude. Et je n'étais pas en burn-out. J'ai débuté à 19 ans, je suis heureux et fier d'avoir grandi avec Maxime. Mais à 24 ans, il m'a semblé important de continuer mon chemin seul, a répondu Clément Rémien. Il faut savoir refuser des opportunités pour expérimenter la vie. La jeunesse est éphémère, j'avais besoin de découvrir d'autres horizons avant que la mienne ne s'envole. C'était un choix mûrement réfléchi. J'ai prévenu la production 9 mois avant mon départ afin que les auteurs puissent anticiper l'absence du personnage. Lors du tournage du dernier épisode, j'avais le sentiment du devoir accompli. J'étais profondément ému, mais je n'ai jamais regretté mon choix. Ici Tout Commence, Clément Rémien ne veut pas revenir dans la série de TF1. Si Clément Rémien a quitté les deux feuilletons de TF1, il reste en contact ses anciens partenaires. On n'efface pas 5 ans d'une vie aussi vite. Avec Aurélie, Ponce, Mathieu, Alexandre, Brasseur, et d'autres, on se croise dès que l'occasion se présente, révèle le comédien qui ne souhaite pas reprendre son personnage de Maxime Delcourt. Je veux surprendre, revenir là où on ne m'attend pas. J'adorerais, par exemple, monter sur les planches, me frotter au spectacle vivant. Sur le plateau de Demain nous appartient, je prenais souvent la caméra. Passer à la réalisation m'intéresse également.